Bonjour, donc aujourd'hui je vous parlais de culture cellulaire et d'isolement de virus, donc ce qui a été fait au P3. D'abord, ce qu'on avait commencé un peu avant, enfin un peu non, on avait commencé assez longtemps à essayer de tester dans le P3, et puis ce qu'on a fait finalement dans l'épidémie de corona. Donc en pratique, il faut savoir le diagnostic des virus, vous avez tout compris que ça se fait tout par biologie moléculaire maintenant, c'est PCR, TPCR. Et la culture, ça reste quelque chose de marginal, alors notamment parce que ça coûte très cher, c'est très compliqué, c'est pas automatisé. Pour la plupart des pathogènes, il faut travailler dans des conditions de NSB3. Ceci dit, ça reste quand même quelque chose, ça reste la clé. Si on veut étudier, par exemple, le développement du virus, faire des tests d'épidémiologie moléculaire, c'est vrai qu'on peut sortir les génomes viraux sans passer par la culture, mais passer par la culture, c'est pas mal, notamment quand il y en a peu. On peut faire des tests de virulence, on peut tester des drogues sur les virus, ça permet de développer des anticorps polyclonaux, monoclonaux, ça permet de mettre au point des tests sérologiques, hein, par exemple des trucs comme le Western blot, c'est quand même plus facile de mettre ça au point avec quand on a les virus, on peut mettre au point des tests moléculaires, voir les vaccins, et puis ça reste une technique quand même pour détecter les pathogènes émergents. Alors bien évidemment, ils sont connus. Dans le cas du coronavirus, là, ça a été altéré, mais si vous voulez, les premiers, les Chinois, il a bien fallu qu'ils isolent la souche pour mettre au point leur système de biologie moléculaire. Alors, ça fait. La culture, c'est à peu près fait comme ça depuis toujours, quoi, c'est-à-dire on inocule soit des, ce qu'on appelle des chelviales, c'est des tubes bijoux, hein, donc c'est des petits tubes à l'intérieur, vous avez une petite lamelle de verre sur laquelle poussent des cellules, et vous avez à peu près 1 millilitre de liquide de culture, ou alors ça peut se faire dans des petites boîtes. Et ça, c'est toujours fait, c'est des lignées cellulaires qui sont produites en utilisant de la pénicilline, de la streptose, c'est-à-dire que je vois maintenant, les gens testent des antiviraux ou même des antibactériens à visée antivirale, mais quand même, les cellules, elles sont toujours cultivées quand même avec pénis strepto, comme si ça n'était pas un antibiotique et que ça comptait pour du beurre. Après, quand on veut isoler chez des patients, quand on veut isoler à partir de prélèvements qui sont contaminés, ça va être le pharyngé, le respiratoire, enfin, en gros, tout ce qui n'est pas des prélèvements protégés contre le LCR ou le sang, on supplémente pour empêcher les bactéries de pousser. C'est incubé, et puis on va chercher un effet cytopathogène, donc on va regarder en dessous d'un microscope inversé. Alors, c'est un travail qu'on avait commencé il y a à peu près 3 ans, je crois. C'est l'objectif de ça, c'était de développer d'abord un système automatisé pour isoler les virus à haut débit, et puis après, donc le but, c'était ultérieurement donc de faire un panel de ce qu'on aurait appelé le GNSP. Alors, GNSP, c'est ce que Didier a inventé, hein, c'est-à-dire que j'ai un patient qui a quelque chose, qui est infecté, je ne sais pas ce que je cherche, j'inocule ça sur des cellules, donc GNSP, je ne sais pas. Et on essaye de trouver une bestiole, et là, c'est le V, puisque c'était pour des virus, même si l'esprit est exactement le même, et à l'époque, on faisait le GNSPV, quand même, ça nous arrivait de temps en temps d'isoler des adénovirus, par exemple. C'est pas rare, ça arrivait de temps en temps. Et puis, donc, l'objectif 3, qui est à terme, si vous voulez, ça serait de développer des systèmes de culture sur des lignées cellulaires humaines, mais ça, des lignées cellulaires humaines primaires. On verra ça un peu plus tard. Donc, nous, le système d'automatisation, très tôt, on a voulu le développer sur ce système-là, qui est un système, donc, avec un système d'incubateur, un robot qui peut passer les plaques automatiquement, et un microscope, donc c'est un microscope confocal à haut débit. Ça lie en fait les puits des différentes microplaques. Il y a possibilité de dire soit en bright field, soit avec de la fluorescence. Bon, c'est un truc extraordinaire. Et en plus, on peut mettre ces plaques à l'intérieur du P3, par exemple, et on n'est pas obligé d'aller régulièrement dans le P3. Et ça, on peut tout récupérer à l'extérieur du P3. Donc c'est tout entièrement automatisé. Donc on a acheté ce système. Et au début, on voyait un peu le mode de fonctionnement. On a essayé de faire ça avec des virus, mais alors les virus, le problème qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas l'expérience de faire des virus. Pour avoir une souche de virale, c'était assez compliqué, quoi. Il fallait que je pleure, je ne sais pas combien de temps pour avoir un adénovirus, quoi. Philippe s'en rappelle peut-être. Et bon, c'était un peu compliqué. Et donc j'avais cette machine que je n'arrivais pas à faire marcher. Donc finalement, comme j'avais rien pour la faire marcher, je suis allé isoler ce que je savais faire, c'est-à-dire les virus géants. Et donc on a utilisé d'abord cette machine pour isoler des virus géants.
Et donc, c'était le principe, c'est le même, c'est-à-dire on utilise des lignées cellulaires, au lieu à la place des lignées cellulaires, on utilise des amibes qui poussent dans des plaques. On a mis un système au point qui permettait de détecter la croissance des virus. Et en fait, c'est un truc qui marche pas mal. C'est-à-dire on détecte les virus, mais ça marche aussi bien pour les petits que pour les gros. Les cellules, elles sont infectées par les virus, elles diminuent en quantité. Et la deuxième chose, c'est quand les cellules commencent à mourir, si vous voulez, elles ont le noyau qui devient beaucoup plus fluorescent quand on rajoute du HUST. Ça, c'est valable pour tous les virus. Après, ça a été une surprise. Ce n'est pas que les virus jeunes, tous les virus ont le même système. Et donc, en fait, dans cette machine, la machine va repérer, elle compte les cellules, elle compte le pourcentage de cellules avec des noyaux qui sont très fluo. Et donc ça, on l'a utilisé pour les virus jeunes. C'est un système qui a très, très bien marché. C'est-à-dire qu'on est arrivé à isoler des quantités astronomiques de virus avec ce système. On a mis au point aussi ça pour détecter Cox et la Burnetti. Et là aussi, ça marche. Cox et la Burnetti, c'est une bactérie intracellulaire. Alors là, pour le coup, on n'a pas du tout le même effet. C'est-à-dire qu'on n'a pas cet effet cytopathogène avec une lyse des cellules. On n'a pas le noyau qui devient fluorescent. On a juste l'apparition de vacuoles. Et donc ça, on a mis au point un système, un logiciel qui permet de reconnaître les vacuoles à l'intérieur des cellules. Et donc, on a réussi à isoler Coxilla burnetii de façon plus efficace d'ailleurs que le système Shelvial classique. Alors on peut aller plus loin, ça c'est un exemple, c'est un peu des figures de style, mais en fait on peut éventuellement, quand on a plusieurs virus dans un prélèvement, donc c'est valable pour les prélèvements d'environnement, on a un virus qui pousse très bien comme le mimivirus, mais qu'il y en a d'autres, si vous voulez, les autres on les voit jamais parce qu'il y en a un qui pousse plus que les autres. Donc ce qu'on avait fait là dans ce système là, c'est-à-dire qu'on avait fait d'abord de la cytométrie avec du fax, et avec le fax on avait trié différentes fractions de ce nuage, et les différentes fractions, on les a ensemencées sur ce système-là, et ça permet, dans un même prélèvement, de sortir plusieurs virus à partir d'un seul prélèvement. Or ça, on ne l'utilisera probablement pas, parce que c'est valable pour des gros virus, mais on peut faire ça, par exemple, pour des bactéries, hein, c'est-à-dire quand on veut faire du microbiote et essayer de sélectionner certaines populations de bactéries, on peut aller les chercher d'abord au fax, et après les inoculer sur des cultures cellulaires, ou même sur des géloses. Donc le premier sur lequel on a travaillé, donc ça c'était il y a, je sais pas, à peu près un an, hein, on s'est remis donc sur l'adénovirus, et à l'époque on avait travaillé avec une étudiante en pharmacie qui s'appelait Suzy Henrissa, qui est la fille de Bernard Henrissa d'ailleurs, donc qui avait fait son stage de pharmacie chez nous pendant 6 mois. Donc on a mis au point la culture des anédons, on avait essayé plusieurs cellules, MRC, HEP2, Véro, et donc ça c'était en pratique pour s'entraîner au CX7. Alors juste j'ai mis les Véro C1008, c'est les Véro E6, hein. Celle-là, ce n'est pas des véros qu'on avait nous, hein, ça ne fait pas partie des véros qu'on utilisait pour faire de la bactériologie, mais celle-là, on les avait achetées parce qu'il y a la NSM qui nous emmerdait là, pour faire des tests de décontamination. On avait acheté celle-là pour faire des plages de lyse, parce que soi-disant, les plages de lyse avec les provazekis auraient dû marcher avec ces cellules-là. Il y avait une publi sur ça, mais je n'ai jamais réussi à le faire. Je ne sais pas toi, tu arrives à faire des plages de lyse. Donc, en théorie, provazekis aurait dû faire des plages de lyse. Ça n'a pas fait des plages de lyse, mais j'avais les cellules, quoi. Donc il faut savoir que c'est les cellules après qui ont été proposées pour le coronavirus, et bien sûr quand ça a commencé, on n'en trouvait plus sur le marché, heureusement moi j'en avais dans le congélateur. Et donc celles-là on les avait, et donc on a testé les différentes conditions pour essayer d'isoler de l'anédovirus, et donc on a mis ça au point, on voyait que alors, vous avez les concentrations de cellules qui sont à tester, éventuellement on met du cycloheximide ou pas, ça dépend de la vitesse de multiplication du virus et des cellules, on avait... décidé qu'il fallait repiquer 3 fois tous les 7 jours, on avait essayé 10 jours, on avait essayé plusieurs repiquages, au-delà ça ne servait à rien. Et puis le colorant qu'on met donc, pour repérer les noyaux qui sont en train de souffrir, il fallait le mettre, on pouvait le mettre à J-1, et à peu près pendant 2 jours on pouvait détecter les cellules. Et donc avec ce système-là, on avait défini notre algorithme sur la machine pour repérer les virus. Donc ça, on a commencé après, bien sûr, à travailler sur des prélèvements cliniques. Donc ça, c'est Marion. Donc on a émis des cocktails antibiotiques, parce qu'on avait essayé sans antibiotiques au début, c'était une catastrophe, parce que tout était contaminé, ce qui a sauté aux yeux rapidement. Parce qu'en fait, quand on met le cocktail antibiotique, si vous voulez, les cellules, elles ne meurent pas, hein, c'est-à-dire elles sont un peu abîmées, mais si vous voulez, c'est quelque chose qui est modéré. Mais ce qui est frappant, c'est que les virus, on n'arrive pas à les isoler quand c'est sous antibiotiques. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais enfin, on se doute un peu. C'est-à-dire que les antibiotiques ont probablement un effet au moins minimum antiviral. Et si vous regardez, par exemple, le témoin, vous voyez que le nombre, en orange, là, vous avez à gauche le nombre de cellules
il est beaucoup plus bas et les marquages des noyaux est beaucoup plus élevé rien que dans le témoin négatif. Et donc en fait, on arrivait à sortir, c'est des prélèvements, ça d'adéno, donc dont on était sûr qu'il y avait de l'adéno, on en a sorti 1 sur les 10. Donc pour arriver à la question, c'était est-ce qu'on peut remplacer éventuellement donc ces antibiotiques par le filtrage du prélèvement pour voir si on ne peut pas enlever les bactéries. En filtrant à 0,2, on ne doit récupérer que les virus. Alors c'est amusant, parce que j'en ai parlé avec deux de mes collègues virologues, qui ne sont pas des moindres, hein, qui est chef de service de virologie à Saint-Étienne, l'autre à Caen, qui m'ont dit « Mais non, Bernard, ça ne marchera jamais, ça ne marche pas, les virus, ils restent dans le filtre, ça ne marche pas. » Mais bon, on l'a testé quand même. Et en testant, en fait, ça marchait très bien, puisque exactement les mêmes prélèvements, on passait de 1 sur 10 à 8 sur 10, encore les deux qui étaient douteux, on allait travailler dessus, et puis quand on allait travailler dessus, ben, il est arrivé le coronavirus. Et donc on a arrêté de travailler sur l'adénovirus, et on a changé de bestiole. Mais donc on avait le système qui était déjà prêt, c'est-à-dire on avait les cellules, les véreux aussi, ces 1008, on les avait. On avait notre petit système de filtration, on avait pris l'habitude de travailler sur les systèmes de microplaques 96. Et donc tout ça, on a recherché juste des effets cytopathogènes. Et en fait, hier, j'ai fait le compte, donc on est à 2000, enfin on a passé les 2000 souches de coronavirus ici isolés à l'IHU. Alors ce qui à peu près, ça marche à tous les coups, ça marche très bien. Et on en sort 90% des souches, on les sort globalement dans la première semaine, dans les 5, 6, 7 premiers jours. 10% qui sortent à la première sous-culture et 1% qui sort à la deuxième sous-culture. Après, on a fait des cultures au-delà, c'est pas très utile, sauf on l'a vu dans un cas, parce qu'on s'est intéressé au prélèvement de sel, puisque vous savez que le coronavirus est excrété dans les sels. Alors, il y avait une ou deux publics, quand même, de Chinois qui disaient qu'on pouvait les isoler. Nous, effectivement, on a réussi à isoler le coronavirus dans les sels. Donc, après, ce système-là, on l'a développé pour faire du haut débit sur le SARS-CoV-2. Bon, c'est exactement ce que je vous ai dit, pareil pour les virusiens, c'est exactement le même système. On a utilisé la même stratégie. Au début, on a fait avec du virus, après on l'a fait sur des prélèvements cliniques, on a comparé 104 prélèvements. Ça ne nous a pas servi pendant cette épidémie, mais enfin, si un jour il y a une autre épidémie, on sait qu'on peut l'utiliser. Donc les résultats, ce qu'on voit, la différence par rapport à la méthode classique, c'est qu'on voit qu'on a 100% des positifs à la première semaine. On n'a même pas été obligé de faire les deux ou troisième semaine pour avoir les prélèvements en plus. Et vous voyez que là, on est à 6 jours, vous voyez, on est à 100% de positifs. Et puis vous voyez qu'à J3, déjà, on repère à 80% des cultures positives avec ce système. Donc c'est quelque chose c'est un truc qui va très vite. Et donc après, tout à l'heure, au début, là, je vous ai dit donc, tout l'intérêt de ce qui est d'avoir les souches de coronavirus. Donc je vous décline rapidement après ce qu'on a fait en ayant les souches. Donc une des premières qu'on a fait, c'était de sur les premiers isolats, en fait, on a pu comparer en fait quel était le rapport entre le CT, c'est-à-dire la charge en ARN dans le prélèvement, et le fait d'isoler les virus. Et vous voyez que quand on arrive à 34 CT, ben 34 CT, en fait, on n'isole jamais le virus. C'est-à-dire que probablement, on avait considéré qu'à partir de ce moment-là, les patients ne sont plus contagieux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont guéris, mais ils sont contagieux. Et même quand on est à 33 CT, vous voyez, on est à 10% de positivité. Donc les gens, en fait, on voit très rapidement que les gens deviennent peu contagieux. Autre chose, mais ça, c'est un autre petit travail. Ce qu'on a montré, si vous voulez, qu'on peut très, très rapidement, en utilisant ces systèmes rapides, on peut très rapidement avoir la microscopie électronique, le génome et la culture. Ça, en 5 jours, quoi, sur les premiers patients qui sont arrivés, en 5 jours, on avait la totalité des informations. Ce qui était un peu dur, d'ailleurs, pour ceux qui s'en rappellent, quand même. C'est-à-dire qu'il y avait des coronavirus partout en France, sauf ici, quoi, et tout le monde se foutait de nous avec Philippe, parce qu'on enchaînait des centaines de PCR, c'était toujours négatif. Il y a même qui nous accusait de sortir que des faux négatifs. Donc le fait d'avoir la souche aussi, ça a permis de faire de la sérologie, et ça c'est un travail qui a été fait par Michel. On a fait de la micro-immunofluorescence, donc en haut c'est les sérologies que vous avez, un positif, un négatif. En A c'est le coronavirus, et donc vous voyez, c'est les cellules infectées par le coronavirus. En A, et vous avez un patient qui est positif, et un des premiers résultats quand même qui était frappant, c'est-à-dire que plus les patients ils avaient un pronostic qui était mauvais, plus ils avaient d'anticorps. Bon, après, on a vu que c'était justement la tempête cytokinique, la réaction inflammatoire qui était associée à un mauvais pronostic, mais au début, ça c'était pas évident, quoi. C'est-à-dire celui qui avait les plus d'anticorps, c'était ceux qui évoluaient le plus mal.
Donc on a fait aussi du Western blot, et ça on est obligé d'avoir le virus pour faire du Western blot. Donc le Western blot, en fait, il y a pratique, il y a deux choses qu'on voit. On voit la protéine de capside qui est ici, et ici la spike qui est beaucoup, beaucoup moins intense. Et donc vous avez tout ça. Donc vous voyez déjà que les témoins nègres, ça va être un problème, c'est-à-dire que tous les gens, en fait, ils réagissent contre la capside du coronavirus à plus ou moins haut niveau. Bien évidemment, vous voyez que dans les vraies séroconversions, vous avez la petite bande, vous augmentez, et en plus, vous avez la protéine spike qui apparaît. Et donc ça, c'est vous avez les HKU1, par exemple, vous avez les HKU1, vous voyez qu'il y a une réaction croisée, au moins avec la capside. Donc on peut faire aussi... étudier le développement du virus. Donc typiquement, là, on a fait un travail en microscopie électronique qui étudie le développement du virus à l'intérieur des cellules véraux, qui montre que c'est à peu près pareil de toute façon que ce qu'on avait vu pour le premier SARS. Et puis éventuellement, même on peut le passer sur notre petit microscope là, en direct. Et ça, voyons les petites microplaques que vous avez au début. À la fin, on peut prendre la plaque, on la met directement dans le microscope et on peut observer les virus qui ont poussé à l'intérieur. On a testé aussi des lignées cellulaires, par exemple. Donc, c'est aperçu que sur les 30 lignées qu'on avait dans la collection du laboratoire, il n'y a pas toutes les cellules permettaient de multiplier le virus. On a vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Pas toutes. En gros, c'est les cellules de reine de singe et les caco et F2 qui permettaient la multiplication. Et il y a certaines lignées, d'ailleurs, il n'y a même pas de CP. Les caco, il n'y a quasiment pas de CP avec. Donc on peut faire des anticorps, et donc on a essayé de, comme on avait notre ingénieur là, qui fait des monoclonaux, donc j'en ai donné un peu pour avoir des anticorps de souris pour une utilisation qu'on aura peut-être ou peut-être pas, quoi, si vous voulez, quand on était dans le feu de l'action. Donc vous avez en haut en bas, ça c'est le polyclonal des souris qui ont été inoculées, et le monoclonal, maintenant il reste à le tester avec le système de Western blot. On fera ça quand on aura du temps. Et à gauche, ça n'a aucun rapport. Et bon, vous voyez des cellules là, qui sont en bright field et des machins fluorescents verts. En fait, ça c'est du fish. Hein. Ça c'était pour s'amuser, pour voir si on était capable de repérer le virus en faisant du fish. Alors ça permet de tester des molécules aussi, d'avoir la souche. Et donc là, ça a été le premier travail à gauche, le travail Princeps, hein, qu'on a fait en parallèle, puisque les patients ils ont été mis directement sous hydroxychloroquine azithro. Et nous, de notre côté, on avait testé donc les associations hydroxychloroquine azithromycine. Et donc, je me rappelle, on avait discuté avec Jean-Christophe, je ne sais pas s'il est là, enfin, c'était presque un soir en rentrant dans le bureau, il me dit, ah, les patients, ils évoluent vachement bien. Je dis, ouais, d'ailleurs, ce qui évolue le mieux, enfin, moi, dans in vitro, ce qui marche le mieux, c'est l'association. Il me dit, ah, ben, c'est bizarre, parce que c'est ceux qui ont la clairance virale la plus rapide. En fait, c'était concordant, on ne s'était pas coordonné. On a testé aussi d'autres molécules, le bleu de méthylène, la doxy, plus tous les antipaludéens. Ça, c'est le travail qu'on a fait avec Bruno Pradine. Alors, où on en est maintenant? Maintenant, finalement, on continue les autres objectifs. Donc, l'objectif 2, c'était d'augmenter le panel de culture cellulaire pour le JNSPV. Donc déjà, les systèmes de culture avec les microplaques, ça sera très compliqué, parce que le problème dans une microplaque, vous ne mettez qu'un type cellulaire. Donc, ce qu'on aurait besoin, c'est des systèmes de la microplaque, mais de le faire ça par prélèvement et de mettre plusieurs types cellulaires intérieurs. Donc on est en train de voir si on peut bidouiller un machin avec les systèmes comme ça, là, comme les plaques ELISA, si vous voulez, de mettre sur une plaque plusieurs types cellulaires, mais pour un même patient, pour le suivre. Enfin, ce sera peut-être compliqué, on verra après. Sinon, les lignées à utiliser, il y a quelques-unes qui sont des classiques. Après, peut-être qu'il faut utiliser d'autres lignées de chauves-souris, peut-être d'autres bestioles. Alors jusqu'à maintenant, ça fait à peu près, quand même, ça fait longtemps qu'on fait ça. Ça fait un an quand on a des prélèvements curieux, on les met en culture, comme ça. Pour le moment, on a six prélèvements quand même, pour lesquels on a des ECP, on n'a pas trouvé ce que c'est. C'est-à-dire, on fait même de la microscopie, c'est-à-dire en coloration négative, on ne voit rien, mais on repique, il y a toujours des ECP. Bon, pour une fois, quand même, on en a un là, qui a l'air pas mal, parce que celui-là, il a vraiment des virus. Je les ai regardés tout à l'heure avec Baudouin. Il y a vraiment quelque chose. Donc celui-là, ça va être intéressant parce qu'en PCR, la personne, elle est négative pour tout. Donc on espère que ça va être un nouveau virus. Et puis il y a le développement de lignées primaires. Donc les lignées primaires, bien sûr, contrairement aux lignées, c'est des cellules qu'on va pouvoir repiquer, mais qu'on va pouvoir amplifier 6-8 fois. Bon, après, il faut les racheter. Donc ça coûte très cher. Les milieux coûtent très cher. Les cellules coûtent très cher.
En revanche, ce sont des vraies cellules, des cellules humaines qui ne sont pas normes. Ce n'est pas des lignées cancéreuses, c'est des vraies lignées. Et donc, on a des trachéobronchiques, on les avait achetées avant le coronavirus. Donc là, on a eu le temps, on a pu les remettre en culture, elles poussent pas mal, donc on va commencer à travailler un peu dessus. Mais il y a d'autres lignées, des endothéliales, des fibroblastes, des hépatocytes, pour faire par exemple des hépatites. Vous avez le gros, le petit intestin pour chercher des pathogènes digestifs. Typiquement, par exemple, les trachéobronchiques, ce qui a été utilisé pour sortir les coronavirus HKU1. Les HKU1, ils ne sortent pas sur autre chose que sur les lignées primaires. Donc ça fait partie des machines qu'on va tester là bientôt. Voilà, je vous remercie.